Elle était pas là? J'en sais rien, je l'ai pas vue. Elle a dû venir par ici. Ah! C'était quoi ça? Merde, mais qu'est-ce qui se passe par ici? Chris, je voulais te dire ce qui s'est passé dans l'abri. Je sais à quel point c'est dur. Josh était ton ami. Ashley, stop. Non, je veux dire, enfin, merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Et je pouvais faire quoi? Laisser quelque chose t'arriver? Je pouvais pas. Ash, tu vas bien? Ouais, c'est juste... Je sais que toi et Josh étiez proches. On retrouve Sam, ok? Là, c'est tout ce qui compte. Mais c'était si atroce! Ashley, arrête! S'il te plaît, je veux pas repenser à ce qui s'est passé. Chris! On doit trouver Sam! Regarde ça. Chris, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis pas vraiment un expert, mais je dirais qu'on l'a balancé. Possible. C'est vraiment flippant. Ah! Attends deux secondes. Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que j'ai vu quoi? Ça, Chris, ça! Ça veut dire quoi, ça? J'ai dit que je l'avais vue, ça vaut vraiment rien pour toi. On a vécu un enfer ce soir, d'accord? Tu es au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je ne crois même pas à ce que j'ai vu. Je sais pas, j'ai vu quelque chose. Chris... Ash, c'est bon. Tu as... On pète vraiment les plombs en ce moment. On va se ressaisir, d'accord? T'es avec moi? Chris... On garde notre calme. On est en train de devenir dingue ou quoi? Écoute, c'est le seul endroit où peut être Sam. Je voudrais qu'on aille chercher tous les autres et... Et si Sam a besoin de nous? Si elle a des problèmes? Oh non! On bouge. Hein? Tu l'as touché, c'est ça? Je crois pas, je veux dire, je sais pas. Comment ça a pu de... Regarde, Chris. Là, dans les fenêtres. Voir quoi? Les meubles miniatures? Non, toute la scène, avec les poupées et tout. Ouais. Je crois qu'il te faut une clé si tu veux t'amuser là-dedans.
Y a pas de poignée. Sans issue. Calme-toi, ok? Il n'y a aucun fantôme ici. Fantôme de quoi? Tu flippes à cause de ce qui est arrivé à Josh? Mais t'écoute pas ce que je te dis, je l'ai vu! J'ai vu un fantôme et il ressemblait à Anna! Attends, quoi? Ou alors un peste! Sérieux, Ash? Tu crois vraiment qu'elle nous suive depuis la séance? Je sais pas, peut-être! Eh ben non, parce que les fantômes n'existent pas, ok? Ok, alors qui nous parlait à la séance, hein, je te le demande? J'en sais rien! C'était quoi? Comment une photo peut sauter du mur comme ça? Ah, une clé. Oh putain! Et là, regarde là-bas, Chris, dis-moi que tu le vois là, maintenant. C'est... Alors? C'est... Tu le vois, non? Je sais pas, c'est juste... c'est juste dingue. Chris, il nous montre la voie. Oh, c'est pas croyable. C'est comme si le fantôme voulait que je vois ça. Quoi? Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, on dirait... Non, pas on dirait, c'est vous. Quand vous attendiez Anna, l'an dernier. Mais c'est trop précis, c'est exactement où j'étais, et pareil pour Matt. Quelqu'un a dû faire ça, il était là. Quelqu'un ou quelque chose qui nous observait. C'est peut-être un avertissement, quelqu'un a dû... Je crois qu'on a mis ça ici pour nous faire peur. Non, c'est forcément le fantôme. Il veut nous dire que le taré a tué Anna et Bess. Je crois que c'est cet enfoiré qui veut nous voir péter les plombs. Et pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça? Il veut nous dire qu'il va tous nous buter, c'est tout. Non. C'est le journal d'Anna. On va tous se retrouver à la montagne, ce sera de pures vacances. Coin du feu et jacuzzi, et il y aura Mike. Je suis tellement pressée de le retrouver. Je peux pas lire ça! C'est trop triste, Chris. C'était quoi? Ça venait de là-bas. Ça semble moins vieux que le reste, non? C'est un catalogue d'ampoules industrielles? C'est tellement absurde! Regarde! Il y a une ampoule qui est entourée. Puissante pour une ampoule. Ah! Chris? Tu
Tu crois que c'est lui ? Eh bien, ça serait logique, je pense. Je n'aime pas qu'on m'observe. C'est mieux ? Tu sais quoi ? Va te faire voir. Là, c'est mieux. C'était déjà bien glauque, mais alors là... Oh ! Putain ! C'était quoi ? Hey, mais il y a carrément une autre salle ici. Elle est immense ! Chris ! Je sais pas si je veux continuer. Mais où... où est-ce qu'on est, bordel ? C'est une blague ? Tu savais ce qu'il y avait là ? Ça, on dirait un autre hôtel. Je savais pas que c'était là. Je pourrais pas supporter ça plus longtemps. Ouais, c'est vrai. J'atteins mes limites, moi aussi. Tout ce que je voulais faire, c'était oublier ce qui s'est passé l'année dernière et... Franchement, pas sûr qu'Anna savait ce qu'elle faisait. Ouais. Enfin, tu sais ce que c'est quand on est à fond sur quelqu'un. Génial. Donc en gros, tu me dis qu'on a placé une amie vulnérable dans une situation atroce et à cause de ça, elle s'est enfuie et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. À sa place... Tu crois pas que tu te serais enfui ? Enfin, t'aimerais pas qu'on se moque de toi. Personne ne se moque de moi. Pas devant toi. Hein ? Chris, on l'a fait passer pour une conne. Devant tous ses amis et le gars qu'elle aimait. Je peux pas imaginer faire pire à quelqu'un. C'est des faux ? Pourquoi quelqu'un imprimerait de faux journaux ? C'est une très bonne question. Tu sais quoi ? Non. Ash ? Non, j'en ai assez. Il est hors de question que j'aille plus loin dans ce putain de cauchemar. Ashley, je te comprends, tu sais. Moi aussi, j'ai les jetons. Mais si Sam est là, toute seule, avec un taré, et si on se tire, eh ben, c'est comme si on l'a tué nous-mêmes. Ah, oh, putain. Ashley, allez. Pourquoi ? T'as toujours raison. J'ai pas toujours raison. Ouais, quand t'as raison, t'as raison. J'aimerais me tromper et partir, moi aussi. Non, il faut qu'on retrouve Sam. En route. Chris, j'ai un très mauvais pressentiment là-dessus. C'est-à-dire ? Si j'ai bien compris, c'est le même type qui a falsifié les journaux et installé la caméra. Ouais, je crois bien. En fait, on dirait qu'il construit toute une histoire autour de nous. Il nous observe tourner en rond, péter un câble et il observe tout ce qu'on fait comme dans une putain d'expérience. C'est un peu bizarre. Mais ça expliquerait beaucoup de choses. N'est-ce pas ?
On nage en plein délire, c'est immonde. Personne ne pourrait manger de ça. Alors qu'est-ce que ça fout là? On dirait un putain de film d'horreur. C'est nous. C'est quoi ça? C'est une liste noire? Merde. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Oh non, ça date de l'an dernier. J'ai pas l'impression que c'est légèrement grave. Oh, ça va. Cette blague débile. Ça fait une drôle d'impression, hein. J'ai jamais vu cette vidéo. Elle a l'air tellement... Tellement quoi? Tellement heureuse. C'est Anna. Et en vie. Elle se doute de rien. La pauvre. Oh putain. Oh. J'avais oublié à quel point t'étais impliquée. Matt, qu'est-ce que vous foutez là? C'est trop horrible. Je m'en veux tellement. T'avais l'air de bien t'amuser. C'est ça le pire en fait. On lui faisait seulement une blague. C'était censé être drôle. Ouais. Je veux plus jamais revoir cette vidéo. Oh. Mike. Mais qu'est-ce qui se passe? Ash, on se calme, d'accord? J'en peux plus. Les fantômes, puis les vidéos et tous les trucs qui s'envolent partout. Moi, juste une seconde. Me calmer, mais tu délires ou quoi? Tu vois pas que je peux te déplorer? Mais non, c'est forcément quelqu'un qui veut nous effrayer. Réfléchis un peu. Les fantômes mettent pas de caméra, ils ont autre chose à faire. Alors, qui s'amuse à faire ça? Franchement, je te le demande. Je sais pas, peut-être la même personne qui t'a ligoté et qui a tué Josh. Ouais, ok. La même personne qui peut garder Sam, là, maintenant. T'as peut-être raison. J'aurais préféré me tromper. Oh merde! Regarde là! Du sang? Peut-être celui de Sam. Je vais essayer d'ouvrir ça. Ah, ça y est, mais putain, c'est lourd! Fais gaffe! Faut que tu passes, Ash! Je tiens plus! Chris! Allez, grouille-toi! Je crois que j'ai vu Sam juste là-bas! Ash, t'es sûr? Je sais pas, mais il faut qu'on aille voir! Moi, je pense que tout le sang vient de là, ok? Alors on doit vraiment se manier maintenant! Ok, t'as raison, j'arrive. Oh, oh putain! Ah, j'ai cru que cette chose allait m'écraser. Allez. Je comprends pas. Quel intérêt de refroidir encore cette pièce? On se calme! Ce type est pas tout seul dans sa tête, tu sais, H.
Chris. Oh non. Ohé. Sam. Sam. Oh, mais je... Merde. Je comprends pas. C'est un mannequin? Oui, ça, j'avais bien vu. Pourquoi c'est les fringues de Sam? Je sais pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un habillerait ce truc comme Sam? Chris, je sais pas et je panique, putain. Et bordel, où est Sam? Tout ça est dingue, complètement dingue. Oh, oh, merde! Ah! Non, dégage! T'approches pas de moi! Non! C'est pas fini! C'est pas... Merde, je vais lui défoncer sa putain de gueule. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Non, Chris. C'est le type qui a tué Josh. Oh, merde. Non. Connard de tueur de merde. Putain de monstre. Regarde, on va crever, Chris. J'ai vraiment pas envie de mourir. Personne ne va crever. J'aurais voulu te le dire. C'est trop injuste. Quoi? Me dire quoi? C'est trop tard, Chris. Arrête ça. À quoi? Dis-moi. On a toujours évité le sujet. Et là, je me dis... On a tout gâché. Ashley, on n'a rien gâché. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque seconde que j'ai passée avec toi, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chris? Je regrette. J'aurais dû t'avouer mes sentiments. Non, Chris. Ashley, je te jure, dès qu'on s'en sort... Oh non! Ah non! Ashley, je vais te tirer dessus, je veux pas que tu meurs! Salut à vous, mes gentils petits cobayes! Oh, j'ai chié! Non, pas. Oh, que si, Ash! C'est maintenant qu'on s'amuse. Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui. Et maintenant, il doit en prendre une autre. Chris, tu peux prendre le pistolet devant toi et tuer Ashley. Ou te tuer avec. Celui qui reste, reste en vie. Le choix t'appartient. Ne fais pas l'idiot, Chris. Attends, stop. C'est pas ça, Chris. Faut que ce soit moi. J'ai déjà sauvé la vie. Oh, putain. Laisse-moi choisir cette fois, laisse-moi te sauver. S'il me reste une chose à faire dans ma vie, laisse-moi faire ça. Hey, je t'en prie. Oh, pitié. Non. Vous êtes allé trop loin. Ne le voyez-vous pas? Hein? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps? Non? Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens? En quoi êtes-vous si différent? Hein? Vous êtes cinglé! Vous êtes un putain de taré! Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Hein? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Psychopathe! Espèce de psychopathe!